À l'origine d'un tableau, il y a une envie, une intuition, quelque chose qui dit que c'est possible. Alors souvent, il faut laisser mûrir. Ça peut prendre des jours. Parfois, c'est beaucoup plus impérieux. Je dois m'y mettre aussitôt car je sens que le tableau est là et qu'il attend. C'est le meilleur signe pour démarrer. Il y a un mystère de la matière. Ici, je parle du cuivre parce que c'est mon compagnon, il y a 30 ans qu'on se côtoie. Et puis, il y a le feu. Le passage au feu de la plaque de cuivre est un instant magique, incertain et qui m'échappe pour partie. Et même si je peux contrôler l'orientation de la patine, j'aime lui laisser une latitude d'expression dans ses premières étapes. On travaille à deux. Le passage à la couleur est aussi un moment passionnant.
Elle circule sur des chemins invisibles qui sont gravés sur la plaque de cuivre. Elle trace son parcours, s'oriente, crée des figures, des arabesques, des fleuves, des estuaires, des chemins d'énergie, des nuages. Qu'est-ce qu'on capte d'une œuvre quand on la regarde ? Ce n'est pas la quantité d'efforts de l'artiste ou sa virtuosité, mais c'est l'intensité et la profondeur de son regard, de l'énergie qu'il a mise dans son œuvre. Intensité, profondeur, énergie, poésie aussi. Et puis, créer du sens. C'est-à-dire faire que le tableau ne soit pas une coquille vide. Faire en sorte qu'il ait quelque chose à donner qui soit lisible à plusieurs niveaux, pour que l'œuvre puisse faire écho dans l'esprit du spectateur et qu'il y glisse sa propre histoire. C'est toujours un moment émouvant lorsqu'une personne se campe devant un de mes tableaux et semble s'y plonger. On touche là à ce que j'appelle le mystère de la création. Créer, c'est d'abord un besoin. C'est comme de respirer de l'air pur. C'est aussi comme une source qu'on laisse plus ou moins jaillir. L'eau est toujours là. Il faut se mettre en état de laisser couler cette eau. Et donc, il faut d'abord être avant de faire, pour ne pas rester à la surface des choses.